Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis en compagnie de Tildus et de Mada qui nous viennent aujourd'hui pour un rapport de bataille V9 autour de Warhammer 40 000. Eh ben moi je suis venu avec mon armée de l'Adeptus Mechanicus, j'ai laissé mes Imperial Fist au placard aujourd'hui. Et moi je suis venu avec une alliance, du coup Eldar et Harlequin. Eh bien c'est parti pour le rapport de bataille. Bonjour à tous, donc de retour sur la chaîne Creative Wargame avec cette fois-ci pas mon armée d'Imperial Fist mais ma deuxième armée de l'Adeptus Mechanicus. Cette fois-ci je suis venu avec un seul bataillon, un bataillon full Mars. Alors je voulais mettre plusieurs bataillons, j'adore ça, notamment Lucius ou Agrippina, il y a des choses très sympas à faire. Mais c'est PC-vore maintenant et j'ai besoin de mes PC. Donc j'ai choisi le plus opti, c'est-à-dire Mars. Parce que évidemment je joue Bellili, le full reroll à 3 pouces et les deux cantiques et surtout le cantique de Mars qui permet d'avancer sans malus et d'avoir plus 1 en force sur les armes lourdes. Et ça c'est vraiment très très fort et je n'arrive plus à m'en passer. Donc voilà, bataillon full Mars. Alors il faut savoir que le chef de guerre c'est Belisarius Cole pour avoir l'aura de 3 pouces en plus, donc c'est du full reroll à 9 pouces. J'ai aussi donc 3 autres persos. Alors j'ai le Manipulus, c'est celui qui permet d'avoir plus 6 en portée des armes s'il ne bouge pas. J'ai le Deilosus Rex, j'arrive jamais à dire son nom, qui me permet d'avoir plus 1 pour toucher sur une unité à 24 pouces. Donc les deux persos ils sont quand même autant inclus. Et c'est un personnage de Blackstone Fortress, voilà. Et le dernier personnage, alors mon petit chouchou, j'adore, c'est une pépite cette figurine, c'est l'Inquisiteur côté Azin. Donc je l'ai rajouté, il prend pas de slope de QG, c'est pour ça que j'ai 4 QG dans ma liste. Alors il est génial, pourquoi? Parce qu'il apporte tout ce qui me manque dans ma liste, c'est-à-dire de l'antipsy et du psy. Je lui ai mis pour un PC le mandat inquisitorial, c'est un stratagème qui permet d'avoir un sort en plus et d'abjurer un sort en plus. Donc il pourra lancer 3 sorts et en abjurer 2. Il a châtiment évidemment, il en a un, je me rappelle plus les noms, qui permet de faire des BM comme le châtiment. Et un autre qui va me permettre de donner sur une unité à 6 pouces, pas 6 pouces, à 18 pouces, je sais plus exactement, une sauvegarde invulnérable à 5+. Donc ça c'est très sympa. Et 2 abjurations parce qu'en face il y a beaucoup de psycheurs et j'ai besoin d'abjurer des sorts. Voilà. Et en plus de ça, ben, il tape assez fort au cac et à 6 pouces de lui il donne son commandement. Donc ça c'est vraiment top. Et le top du top, il a une petite règle spé dont je ne parlerai pas. On verra si mon camarade connaît cette petite règle spé qui est propre à côté Az. Sinon, donc c'est un bataillon, il me faut 3 unités de troupes, 3 rangées de breachers, d'accord, parce que c'est tanky, ça se pose sur la table et ça tient la table. J'en ai 2 unités, donc de 4 ici en rouge avec les électrofusils. Et j'ai une unité, je teste pour la première fois avec les canons à torsion. Il coûtait trop cher avant, il coûte moins cher, je les teste, c'est de la force 8 avec moins 4 des 6 dommages. Je teste, je pense que ça peut faire le café. Ensuite, j'ai en soutien mes 3 nonos. Alors, j'en joue plus 4 parce qu'ils ont pris énormément en points. Ils coûtent 375 points les 3, full ratata, pour Colère de Mars notamment. 2 Onegger full matrice, parce qu'en face, il n'y a que du volant. Et, alors, j'ai pas pu prendre le désintégrateur parce que sinon ça faisait 4 choix de soutien. J'ai pris un Dune Rider parce que dedans, je vais mettre une unité de CAC parce que c'est de la V9 et j'ai envie de tester le CAC avec 10 figurines, des figurines que j'aime beaucoup, que j'ai pas joué beaucoup ces derniers temps, notamment en V8, hein, c'était plutôt les Corpus Carry que je sortais. Donc on y va avec 10 figurines dans un Dune Rider. Et pour finir, 4 Ballistari. Je jouais beaucoup les Dragoons, j'adore les Dragoons, mais là les Ballistari avec le Psychic Awaken en V9, ça envoie du steak, donc je suis bien content de les ressortir. Je passe la main à Mada pour la présentation de son armée. Je suis venu avec une armée Eldar allié Harlequin. Donc j'ai un bataillon Eldar avec une patrouille d'Harlequin. Mon bataillon Eldar, donc avec mon seigneur de guerre qui est juste ici, qui est un prophète à pied. J'ai un prophète à moto juste à côté. Mon troisième QG, c'est un autarque. J'ai 3 choix de troupes, donc j'ai 2 fois 5 rangers, 5 harlequins juste ici. J'ai 3 vipers en attaque rapide, enfin 3 fois une viper, histoire de pouvoir me répondre un petit peu sur la map et de pouvoir tirer un peu de partout. J'ai 2 night spinners, histoire d'avoir quelques tirs sans ligne de vue. Un wave serpent, histoire d'avoir quelque chose de résistant et de prendre un petit peu certains objectifs. J'ai 9 dark creepers parce que il va falloir bien péter un petit peu de véhicules. Ensuite, dans ma patrouille, harlequin, donc j'ai un shadow seer, histoire de pouvoir avoir un peu plus de psy encore, et histoire de pouvoir faire bouger les skyweavers en phase de psy. 5 troupes, armées avec des caresses et des pistos shuriken, pardon. Et j'ai 6 Skyweaver, histoire de détruire des véhicules, parce qu'il va y en avoir beaucoup en face. Et c'est parti pour la présentation du scénario.
La table de jeu est sponsorisée par Crank War Game qui nous a fourni le tapis et My Scenari qui nous a fourni les décors. Le scénario qui sera joué aujourd'hui est le scénario numéro 2 du livre des règles de la V9 de Warhammer 40 000, à savoir en première ligne. Dans ce scénario, vous retrouverez les objectifs primaires classiques, à savoir marquer à la fin de votre phase de commandement, sauf celle du premier tour de jeu, du premier round de bataille, 5 points si vous tenez un objectif ou plus, 5 points supplémentaires si vous tenez 2 objectifs ou plus, et re 5 points supplémentaires si vous tenez plus d'objectifs que votre adversaire, ce qui peut potentiellement permettre au joueur de marquer 15 points par tour. Néanmoins, le total des objectifs primaires reste capé à 45 points par partie. L'objectif secondaire de ce scénario territoire vital va permettre à chaque joueur, à la fin de leur phase de commandement, sauf celle du premier round de bataille, de marquer 3 points s'ils contrôlent l'objectif dans la zone de déploiement de leur adversaire, à savoir l'un ou l'autre de ces deux objectifs, puisque nos joueurs vont se déployer en aube de guerre. Ensuite, ils pourront marquer 2 points par objectif contrôlé si ce sont les objectifs qui ne sont pas dans la zone de déploiement, à savoir ces objectifs-là. Voilà pour l'objectif secondaire propre à la mission. Nos deux joueurs vont devoir choisir, eh bien, parmi la liste des objectifs secondaires proposés par le livre de règles et l'objectif que vous avez dans le scénario, 3 objectifs secondaires qui leur permettront de mettre maximum 15 points par objectif, soit un total, encore une fois, de 45 points d'objectifs secondaires dans la partie. On va immédiatement retrouver nos deux joueurs pour savoir quels objectifs secondaires ils ont choisis. Alors, les 3 objectifs que j'ai choisis, j'en ai choisi un dans le domaine pas de pitié, pas de répit, qui s'appelle attrition. L'idée, c'est d'avoir 4 points de victoire à la fin du round de bataille si je tue plus d'unités que mon adversaire. J'ai beaucoup moins d'unités que lui, qui sont beaucoup plus tanky, ça devrait passer. Et il a la particularité de pouvoir être scoré dès le premier round de bataille. Le deuxième objectif secondaire, et je l'ai pris dans suprématie militaire, il s'appelle sur tous les fronts, marquez 2 points de victoire à la fin de votre tour si vous avez une unité ou plus de votre armée entièrement dans 3 quarts de table. L'idée c'est de faire du contrôle map. Et j'ai même plus de points, 3 points à la place, si j'arrive à avoir une unité dans chaque quart de table. Donc vraiment du contrôle map en obligation pour moi. Et le troisième que j'ai choisi, que Tourpe a déjà présenté, territoire vital, car c'est encore du contrôle map, je veux me planter sur les objets. Donc au niveau de mes objectifs secondaires, le premier que j'ai pris c'est attrition, parce que j'aime bien le principe de kill more et de marquer des points. Le deuxième objectif que j'ai pris c'est sur tous les fronts, c'est-à-dire que je vais marquer 2 points à la fin de mon tour si j'ai une unité dans 3 quarts de table. Le troisième objectif que j'ai choisi c'est interrogation mentale, ça va me permettre de marquer 3 points de victoire à chaque fois que j'effectue une action psychique de charge Warp 4. Il suffit juste que j'ai un personnage, donc Psyker, à 18 pas d'un personnage adverse et que je fasse l'action psychique. Alors du coup, j'ai gagné le jet de dés pour savoir qui était l'attaquant, qui était le défenseur. J'ai choisi d'être le défenseur et j'ai choisi ce côté de table-là. Et je vais vous présenter mon déploiement juste après. Alors au niveau de mon déploiement, j'ai commencé par mettre les 6 Skyweavers en FEP. Ensuite de gauche à droite, donc j'ai posé une Viper à côté d'un Spinner et de Lothar histoire d'avoir les rerolls. Une escouade de 5 rangers, l'escouade de 5 troupes arlequins à côté du Shadow Seer, une deuxième Viper à l'étage de la rune, une unité de 5 Avengers, histoire de pouvoir avoir des troupes et d'essayer peut-être d'aller chercher des objectifs. Ensuite au centre de table, donc j'ai une Viper et 5 rangers sur un objectif, histoire d'avoir une belle ligne de vue pour essayer de pouvoir tirer sur tout ce que je veux. Et ensuite sur la droite, donc j'ai mon Farseer à moto, que j'ai mis tout à l'étage de la rune, un deuxième spinner et mon wave serpent où j'ai mon seigneur de guerre et les 9 reapers dedans. Eh ben moi, je suis attaquant, j'ai pas eu le choix vu que j'ai perdu le dé, mais je vais gagner celui d'après pour commencer, j'espère. Voilà mon déploiement. Donc j'ai été obligé de placer les nonos devant, j'ai pas pu les cacher. Il a un stratagème pour redéployer 3 unités, donc de toute façon les reapers vont peut-être tirer dessus. Donc ça servait à rien de me palucher pendant 10 minutes. Je les ai mis devant. Un peu T indépendant, et puis bon, s'il les tue, j'aurais quand même. J'ai tout posé pour qu'il ait tout à portée de tir, pour essayer d'encaisser un maximum si jamais j'arrive pas à avoir le T1. Donc j'ai vraiment tout posé en masse, bien visible, sauf les 2 unités de Breacher sur les côtés, parce que j'aimerais bien les utiliser pour aller faire du contrôle map et qu'il ne les tue pas tout de suite. Pour le reste, toute ma gunline, potentiellement,
pour attirer dès le T1 et essayer d'encaisser le mieux possible pendant son T1 s'il commence. Et les 10 Fulgurites sont dans le Dune Rider, c'est les seules unités qui sont embarquées. Voilà. Allez, c'est le dé de la game, le dé de l'initiative pour savoir qui va commencer. On y va. Ben, sans surprise, j'ai choisi de commencer, vu que je me suis mis en mode T indépendant. Alors, je vais commencer la partie, du coup, avec 9 points de com, parce que j'en ai claqué un sur côté As, et deux pour avoir deux Tresseigneurs de Guerre supplémentaires de Engine War, donc Psychic Awakening, sur mon Manipulus et sur mon Daedalosus. Et comme c'est le début de la partie de la phase de commandement, j'ai récupéré un point de com, je commence donc avec 10 points de com. Ok, on y va pour le quantique, donc je vais remplacer le quantique numéro 2, celui qui fait D3 BM au CAC, par le quantique de Mars. J'envoie 2 dés, plus 1, moins 1 sur le score grâce à Belisarius. On y va. Donc bah, je vais tout garder tel quel, le 1 pour relancer les tests de morale ratés, et le 2 pour avoir le quantique de Mars qui me permet d'avancer sans malus et d'avoir plus 1 en force aux armes lourdes. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Eh ben, fin de ma phase de mouvement, j'ai tout avancé. J'ai tous mes objectifs, presque 70 points sont sur le contrôle map. Donc j'ai mis évidemment les balistaris sur le premier objet, j'ai mis les Dune Riders sur le deuxième, j'ai avancé les Castellans, j'ai avancé les Onegger, les Breachers pour être à portée de tout, profiter au maximum de la bulle de Belisarius qui a tout à 9 pouces de Belisarius. Full reroll sur toute une gunline admec. Ça risque d'être un peu violent. Fin de ma phase de mouvement, début de ma phase de psy, je vais lancer un seul sort avec côté As sur les Breachers qui sont juste à côté de lui pour avoir une sauvegarde invulnérable à 5+1. Donc ça se lance sur du 6 et ça passe. Ok, donc phase de tir, bah évidemment les Balistari et les Breachers vont essayer de se faire le Wave Serpent et peut-être commencer à enlever les Reapers qui vont en sortir. L'Onegger ici va aussi tirer sur le Wave Serpent. L'idéal, ça serait d'enlever le Wave Serpent et les Reapers à l'intérieur. Et de l'autre côté, tout ça, ça va tirer sur le Night Spinner, sur les Vipers, sur les persos, sur les Vipers. Donc toute cette gunline va essayer de cleaner un petit peu tout ce qui se passe à droite. Donc on y va, je vais commencer à tirer avec l'Onegger Matrice sur le Wave Serpent là-bas. Donc moi j'ai claqué 2 points de commandement, histoire de pouvoir le mettre en moins 1 pour être touché. Eh ben c'est parti, je vais commencer par la lourde 1. Alors évidemment j'ai plus 1 pour toucher les véhicules, donc je touche à 2+, qui est volant pardon, avec la règle vol. Et j'ai Belisarius qui permet de faire du full reroll, donc ça sera 2+, full reroll. Donc t'as plus 1, moins 1. Donc plus 1, moins 1, donc ça fait du 3+, full reroll. On commence par la lourde 1, donc ça passe. On est sur de la force de 7 qui passe à 8, vu que je suis sous le quantique de Mars, donc du 3+. Sur du 3. Ça passe pas. Ça, c'est réglé. Ensuite, je passe à l'autocanon. Donc, l'autocanon, c'est 4 tirs. Donc, le 2+1 repasse pas, je recommence, tout passe. On est sur de la force de 7 qui passe à 8. On est encore sur du 3+. Et ben, ça fait 3 AP-1. 2 dégâts. Donc, sur du 4+. Ensuite, on passe aux 5 tirs de Gatling. Donc, tout passe. C'est du force de 6 qui passe à 7, on est encore sur du 3+. Sur du 4. C'est sur du 4, c'est rendu 7. Hein. Ouais, sur du 4. Et ben ça fait une. 3 sauvegardes. Non, sur du 4. Une seule. Une seule. Ah oui, pardon. Quelle horreur. Et à combien? PA-2, un seul dégât. D'accord, donc il prend un dégât. Bon, et ben c'était pas terrible pour un échauffement. Donc le Dune Rider avec ses mitrailleuses va tirer sur les Rangers. Donc il a réussi à blesser 3 Rangers avec son tank. Il a réussi à faire qu'un seul mort. Eh ben les Breachers canon torsion qui tirent à 24, donc avec 6 pouces en plus à 30. J'en ai 2 qui vont tirer sur la Viper là-bas pour essayer de la one shot, on sait jamais. Ce décor là est une zone industrielle, donc le décor que vous avez là, et qui a la règle particulière qui est le couvert dense, à savoir si l'unité attaquante, donc les Breachers, tirent dans une unité et que leur ligne de vue passe à travers ce décor, ils auront moins 1 pour toucher. De ce fait, eh ben, il a moins 1 pour toucher la Viper, puisqu'effectivement il passe à travers le décor industriel. Et les deux autres vont tirer sur les Rangers, les seules unités qui sont à portée et visibles. Alors les deux Breachers avec les canons, attention, j'ai réussi à enlever 4 PV sur la Viper, et les deux autres ont fait one shot, enfin, et ont tué chacun un Ranger.
Donc les breachers de droite avec leur canon à l'électrofusil lourd, il y en a deux qui vont tirer sur la Viper à qui reste 2 PV. Et le deuxième, les deux autres vont tirer sur le Night Spinner qui se trouve là-bas, à droite. Donc les breachers qui ont tiré sur la Viper ne lui ont enlevé qu'un seul PV, et même avec un point de com pour relancer le dé, j'ai fait qu'un seul dégât, donc elle est toujours là. Et les deux autres n'ont absolument rien fait sur le Night Spinner. Alors, l'Onegger va tirer avec toutes ses armes sur le Night Spinner là-bas. Alors, pas mal l'Onegger, j'ai enlevé 7 PV sur le Night Spinner, donc il sera en profil régressif, ça c'est pas mal. Alors, on y va avec les nonos. Je les fixe et je fais colère de Mars. Il faut que je balaye. Qui me coûte 3 PC. Donc, tu étais à 9 avec ta reroll, tu passes à 6. Je passe à 6. Ok. Alors, du coup, le nono de droite va tout tirer sur le Night Spinner. À qui il reste 5 PV. Le deuxième nono va tirer avec une seule arme, donc 6 tirs sur les deux rangers, et les deux autres nas armes pour 12 tirs sur la Viper de droite. Ok. Le troisième nono va tirer avec une arme sur la Viper pour essayer de la finir, et les deux autres armes sur les rangers. Ok, sachant que sur les rangers, t'as moins 1 pour hit, oublie pas, donc c'est okay. Parti. Alors, les nonos... 4 plus pour toucher full reroll. Il faut savoir que sur des 6, je ferai une touche supplémentaire grâce au trait de seigneur de guerre du Manipulus. Full reroll grâce à Belisarius. Portée de 6 pouces en plus grâce au Manipulus. Et blessure mortelle sur du 6 grâce au stratagème colère de Mars. C'est parti. Sur le spinner. Sur le Night Spinner, on y va. 4 plus, full reroll. Sur des 6, ça fait une touche supplémentaire. Donc je rajoute. Hop. Deux autres dés, 4+, tout ça, ça passe. Et ici, tout ça, ça passe. C'est les 6 pour blesse qui font de la mortale. Ouais. Et maintenant, on y va. Donc, c'est de la force de 6 qui passe à 7 hein, grâce au cantique de Mars. 7 sur 7 sur du 4+, et des 6, c'est des blessures mortelles. Donc, je fais une seule blessure mortelle, et donc 5 sauvegardes, pardon, hop, 6 sauvegardes à moins 1, à moins 2, pardon. Donc une blessure mortelle, tac, et 6 sauvegardes à moins 2. Oh, c'est cochon. Et du coup, il y en a 2 qui sont pas tankés. Plus la mortelle, tu lui enlèves 3 PV. Oh, il en reste 2. Donc celui-là va tirer 6 coups sur les rangers, qu'on va faire d'abord. 1, 2, 3. Donc là, t'as moins 1 pour hit, ce coup-ci. 4, 5, 6. Du 5 full reroll. Voilà, 5 plus full reroll. Donc j'en passe 3. Une touche supplémentaire. 6. Rien du tout. Et là, on est sur du 2 plus. 4 sauvegardes à moins 2 avec une blessure mortelle. À moins 2, ils sont morts. Alors là, c'est les 12 tirs du nono sur la Viper. On y va, 4 plus, full reroll. Un seul 6 pour une seule touche supplémentaire. Ça passe. Ici, rien et même pas de 6. On est sur de la force de 7 en du 6. On est donc sur du 3 plus. Donc ça fait hop, même pas de blessure mortelle. Donc ça fait 5 sauvegardes à moins 2. Et donc, il lui reste 1 PV. Ouais. Et le dernier nono. Donc, on y va. J'ai dit 6 sur celle à qui la Viper est, qui reste un seul PV. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va. Donc, ça fait une touche supplémentaire. Ça touche. Rôle de Mars. Là, ça, c'est bien. Et maintenant, on est sur de la force de 7. Donc, on est sur du 3+. Je fais une blessure mortelle. Ça suffit. C'est suffisant. Est-ce qu'elle explose? Did explose? Non. Maintenant les 12 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur les rangers. Là t'as moins 1. Donc 6, tac. Donc le 5 passe. Le 5 passe. On relance tout ça en essayant de faire des 6. Je refais encore un 6 qui me donne une touche. Un 5, un 5, un 5. Ça va faire le café. Sur du 2. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauvegarde à moins 2. Il n'y a pas eu de 6 pour les mortels, par exemple. Et t'as pas sauvegardé de couvert. 3, 4, 5, 6. Pour finir, donc une baliste arrive, va tirer sur la Viper là-bas qui reste un seul PV. Et les 3 autres vont tout tirer sur le Night Spinner qui est à côté. Alors maintenant, les balistes arrivent, je vais claquer 2 points de com. Un pour avoir le plus 2 pour toucher. Et un pour avoir le plus 1 pour blesser. Une va tirer sur la Viper là-bas qui reste un seul PV. Et les 3 autres vont tirer sur le Night Spinner à côté à qui il reste 5 PV. Ou 3 PV, pardon. J'en avais 6, il ne me reste plus que 4. Donc tranquille, j'ai réussi à fumer les Viper et le Night Spinner avec les Balistari. Et les deux ont explosé. Et les deux ont explosé en faisant encore des petites BM. C'était pas ouf.
Alors, tous les breachers vont tirer sur le Night Spinner. J'abandonne le Wave Serpent, je n'y arriverai pas. Donc on est sur du 4+, hop. Et ben c'est joli. Ça me plaît, je prends. On est sur de la force de 6 qui passe à 7 sur l'endu 7, on est donc sur du 4+. Et ça fait donc 2. 2 sauvegardes à moins 2. Et il y en a une qui passe. Décide un mage comme ça. Ouais, j'aurais voulu avoir un. Ouais. 5. C'était pas joli. Mal le coup de la gamelle là, contre le décor. Ouais. Tam, ça revient. Ça ouais, ça me rappelle de mon souvenir de lycée ça. 5 damage sur le châssis. Alors, en termes de létalité, hein, c'est un bon petit tour. J'ai enlevé 4 unités, donc pour l'attrition, c'est très bien. Là où je m'en veux un petit peu, c'est que mon déploiement et mon mouvement n'ont pas été terribles, dans le sens où il y avait quand même les Reapers dans le Wave Serpent. J'aurais peut-être dû faire les blessures mortelles au Castellan sur le Wave pour essayer d'enlever les Reapers. Il y a une grosse menace là-bas. Néanmoins, il ne lui reste que ça et les Night Spinner, un Night Spinner et les Skyweaver pour m'embêter à son T1. Ça peut le faire, je peux tanker. Par contre, en termes de contrôle map, je commence, mais je ne score rien, car la plupart des points à gagner se feront au début de mon deuxième tour. Donc, début de mon tour 1, je regagne un CP, du coup, à ma phase de commandement, donc je remonte à 8. Au niveau de mes déplacements, pour le moment, il m'a enlevé quand même pas mal de choses. Je vais essayer de trouver des lignes de vue, histoire de lui enlever un petit peu quelques unités. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc, fin de ma phase de mouvement, j'ai fait décharger les Reapers juste ici, histoire qu'ils aient une belle ligne de vue sur les Balistari. Mon Seigneur de Guerre Prophète a déchargé aussi. J'ai redéplacé un tout petit peu mon Spinner, histoire que les Castellans là-bas ne le voient pas. J'ai fait Advance mon Wave Serpent, histoire de contester l'objectif. J'ai déplacé sur la gauche ma Viper, histoire de contester l'autre objectif. Et j'ai terminé par planquer mon Autarque, histoire qu'il ne soit plus ciblable. Donc début de ma phase de psy, mon prophète seigneur de guerre va lancer guide sur les Dark Reapers, donc c'est sur du 7, ça passe. Donc je pourrais reroll tous les jets pour toucher au tir. Je vais lancer chance sur les Reapers, histoire de leur mettre un film no pain à 5. C'est sur du 7 aussi, ça passe. Ensuite mon deuxième farcir à moto qui est juste ici, va lancer fatalité sur les balistari juste ici, histoire de pouvoir reroll pour blesser. Donc c'est sur du 7, ça passe. Cochon, il passe tout. Je vais lancer exécuteur sur eux, qui va me permettre de faire D3 BM. Si je fais un mort, je refais D3, mais du coup, ça fera pas. Je pourrais pas les tuer de toute façon. Ça passe, et du coup, D3 BM, et c'est un 3. C'est un 3 sur le dé ou un... c'est un 6, donc 3 BM. Est-ce Touk. Qu'il y a un rapport avec les Choco BN ou pas? J'adore. Donc, début de phase de tir, j'ai mes Reapers qui vont tirer sur les Balistari là. Donc j'ai 8 tirs de lance-missile Reaper déjà, sur 3 plus reroll. C'est pas trop mal. Force 8, endu 5, 6, 7. 3 plus, endu 6. Donc c'est sur du 3 plus reroll. Et heureusement. C'est pas très beau. 2, 4, 5, s'il te plaît, PA-2. PA-2, donc je prends mon invulnérable. Hein. Donc je suis à 6, 5, 5 sauvegardes à 6. C'était pas cassé ça. Bon, alors, c'est raté. Donc 5. Et c'est 3 par 3 les PV s'il te plaît. Oui, aïe. Ça donc, t'enlève tout. Oh la vache. Alors, combien tu m'en as fait? 5. 3 il meurt. Donc 3 il meurt. 2, 3, 4, 5. Attention, ça explose en plus. Hein. Oui. Ça explose? Ah oui, ça explose. Hein. Un par un du coup. Ouais, le premier. Parce qu'en fait, du coup. Non. Parce que du coup, il y a eux qui sont impactés, il y a lui qui est impacté. Alors là, mais c'est bon. Impacté par les deux. Alors, le deuxième qui était là, je fais de la droite vers la gauche. Hein. Non, et le troisième, non, il n'y a que toi qui fais exploser. Et du coup, donc il y a l'exarque qui a 2 D6 tirs qui sont aussi pardon, sur la sur oh, ça, c'était prévu. Hein. Ça fait 10 tirs. 3 plus reroll. Toujours. Et après 5 plus reroll. Et tout touche. Force de 4 là. Force de 5. 5, donc, c'est 5 plus. C'est 5 plus. C'est propre. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mais qu'est-ce c'est que beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouh. Oui, oui, oui. Aïe 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 aïe. 6, 7, 8, 9. On va prendre tous les dés. CP à combien? J'ai un doute sur le moins 1 ou moins 2. Je crois que c'est moins 1 l'antimax. Surtout que j'ai 6. Attends, j'y arriverai pas avec ces dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. C'est moins 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2. Oh le gars, il veut pas jeter les dés. Ah non, j'arriverai rien. Les dés de l'amour là. Tu vas être puni pour cette insulte. Alors moins 2? Moins 2 sur du 6. Il faut que je fasse au moins 3, 6. Oui, je suis persuadé que tu les fasses. C'est magnifique. Ce qu'il explose. Ça va tuer des breachers. Oui. Allez, D3 sur les breachers. Un breacher. Deux pefs sur les breachers. Donc je vais enlever sur lui là.
Donc lui, il reste plus que un ici et lui. Donc les Reapers ont lavé l'unité de Ballistari et j'ai utilisé un point de commandement pour faire utiliser Fire and Fade et les recacher dans la ruine. Il me reste 7 points de commandement. Donc ma Viper qui est juste ici va tirer sur le perso qui est devenu tout seul maintenant. Et du coup, il n'y a plus personne qui peut le protéger, il est du coup ciblable. Donc je rappelle qu'en V9, la règle qui protège les personnages vous oblige à être à minimum 3 pouces d'une figurine qui a le mot-clé véhicule ou monstre, ou alors d'une unité qui possède au moins 3 socles, 3 figurines. Donc c'est plus le cas pour notre ami qui est ici, il va donc prendre la foudre, c'est parti. Donc j'ai un tir sur du 3 plus reroll, ça touche. Force 8, ça va sur du 3 reroll. J'ai rendu 4, hein. Donc c'était bon. Bah du coup c'était bon. Ouais. Okay. Donc PA moins 4 s'il te plaît. J'ai mon film, mon imbu. Est-ce qu'il a, il a une imbu à 5 hein. Allez. Alors, 5 de Tildus. Alors je découvre, je peux parler ou pas là? Bien sûr. J'ai envie de parler. Je veux m'exprimer. Donc je viens de découvrir la V9 avec le Snipe Ming de perso, mais j'ai une sauvegarde invulnérable à 5+, que je ne vais pas rater. Et que je ne rate pas. C'est dingue. Ça c'est quoi? C'est du wargame? C'est un truc de bonhomme ça. C'est du wargame d'homme ça. Donc j'ai le Wave Serpent qui va tirer du coup sur le personnage qui n'a pas été blessé au final. Avec les canons shuriken et avec ses catapultes shuriken, il va viser les breachers. Alors du coup, fin de ma phase de tir, j'ai le Wave qui a tiré tout le canon shuriken sur le personnage et qui a pas fait grand chose. Mais il est où? Il est mort. J'y viens. Et qui a tiré les catachus sur les breachers et qui n'a rien fait du tout. Et par contre, j'ai le spinner qui s'est déchaîné sur le personnage et qui l'a complètement détruit. Ah, c'est ça. Du coup, au niveau de fin de mon tour, au niveau de mon scoring, au niveau des secondaires, je devais être dans 3/4 de table, j'y suis pas. J'avais pris attrition, je pense que de toute façon c'est raté vu la létalité de mon adversaire. Donc fin de mon tour, tout le monde est en cohésion, j'ai pas de test de morale à faire. Et ben moi du coup, je mets mes 4 points d'attrition, et puis c'est tout. Début du tour 2 de Tildus, il a mis 4 points sur son premier tour, il est donc à 4. Il va marquer 5 points d'objectif primaire puisqu'il contrôle un objectif. Mmh. Et ensuite, il va regagner 1 point de commandement, il est donc à 4, il passe à 5. Et maintenant, il va commencer sa phase de mouvement, on le retrouve après. Alors les cantiques, j'ai envoyé 2 dés, donc j'ai pris celui qui permet de relancer les 1 en phase de cac pour toucher. Et celui de Mars qui me permet d'avoir plus 1 pour en force sur les armes lourdes et qui me permet de me déplacer sans malus. J'ai sorti les fulgurites pour aller essayer de, je vais la défoncer la Viper, me poser, récupérer une invue 3 sur les fulgurites. J'ai avancé mon petit Dune Rider pour peut-être aller chercher l'objet dans son camp plus tard. J'ai avancé mes Breachers qui vont être sacrifiés parce qu'il va sûrement les tirer avec les Reapers, mais au moins ils vont l'obliger à tirer dessus et l'empêcher de scorer peut-être le point d'objet. Et puis j'ai placé tout le reste pour essayer de tirer sur le Night Spinner, sur le Wave Serpent et sur la Viper. C'est parti. Phase Psy, je lance toujours un seul sort pour avoir ici la sauvegarde invulnérable sur les Breachers ici à 5+. Sur du 6, ça passe. Alors je commence la phase de tir, les deux nonos qui sont fixés, qui ne voient rien d'autre, et de toute façon ça m'arrange, vont tirer sur le Wave Serpent, et je vais activer le Cantique de Mars pour faire des blessures mortelles. Et grâce au trait de seigneur de guerre de ce petit perso, je vais avoir du Daka sur du 6. Et je one-shot le Wave. Comme un bonhomme. Comme un homme. Alors Mada, je vais faire dans la délicatesse. Les Breachers, l'Onegger vont tous tirer sur le Night Spinner. On va faire les choses correctement. Et je claque 2 CP pour le mettre à moins 1. Logique. Et ben comme prévu, j'ai explosé, vaporisé, il ne reste plus rien du Night Spinner. Et maintenant, on va passer en phase de cac. Et en plus de ça, rigolo comme tout, il a explosé, il a enlevé 3 PV à son seigneur de guerre et il a même réussi à tuer un de ses Reapers. Maintenant, nous passons à la phase de cac avec les fulgurites sur la Viper. On y va, charge auto. Pas de soucis. Alors, fin de ma phase de charge, début de ma phase de cac. J'ai une petite règle sympa avec les fulgurites. J'envoie autant de dés qu'à de figurines, sauf que là, il n'en a qu'une. Et sur chaque 6, c'est une blessure mortelle. Donc sur les hordes, c'est très bien. Sur un véhicule, c'est pas top. Et je fais un 6, c'est cadeau. Donc une petite blessure mortelle. Et maintenant, on va faire les attaques. Alors, je vais envoyer 20 dés. J'aurai une force de 5 avec une perte moins 2, D3 blessures. Et sur des 6, pour blesser, ça fera du D3 blessure mortelle. Et je relance les 1 au cac parce que c'est mon cantique. 5+, faut que je fasse des 6 par contre.
Ça me va. Oh là, c'est joli. Donc je fais hop 5-6. Des blessures mortelles, les 6. Ouais, c'est du D3 blessures mortelles en plus. Ouais. Donc c'est bon. Est-ce qu'il explose? T'en as fait que 4? Non, il en a fait 5. 5, c'est bon. 5. Il pète, il pète pas. C'est celui-là qui devait péter. La seule qui explose pas. C'est pas la bonne. Alors, c'est ça qui est top, les fulgurites ont une petite règle qui est géniale, c'est qu'à partir du moment où je détruis une unité au corps à corps, il récupère une sauvegarde vulnérable de 3+ pour le reste de la bataille. Donc là, j'ai un nouveau plot sur la table qui peut tanker correctement. Ok, donc je récupère 2 points de plus, car je contrôle 3 quarts de table, c'était l'une des missions que j'avais choisies. Pour le reste, on verra à la fin de ma phase de commandement du troisième tour. Donc à la fin du T2, je suis à 11 points. Et Mada. Donc début de mon T2, je récupère un point de commandement, je remonte à 6. Grosso modo, je vais me déplacer histoire d'essayer de prendre quelques objectifs et de faire quelques morts. Et surtout, je vais avoir la FEP des Skyweavers qui vont pouvoir arriver. Voilà. Alors, fin de ma phase de mouvement, donc j'ai décalé les deux psykers, histoire qu'ils aient des lignes de vue pour balancer des blessures en phase de psy sur eux. J'ai décalé les Reapers juste à côté, histoire qu'ils aient beaucoup de cibles potentielles. Sur le côté gauche, j'ai fait sortir les Avengers de la ruine, histoire qu'ils aient les... ces unités, ces priests en ligne de vue, histoire de pouvoir tirer dessus. J'ai fait avancer les troupes, histoire d'aller les avoiner au corps à corps. Et j'ai les Skyweavers qui ont faible juste là-bas. Et on enchaîne sur ma phase de psy. Alors, début de ma phase de psy, j'ai mon Shadow Seer juste là qui va lancer un smite sur les priests juste ici. C'est pas très beau, mais ça passe. Donc, des 3 BM. 2 BM. Fin Open à 5+. C'est trop... Voilà. C'est propre. Deuxième sort, il va lancer Danse dans la toile, histoire de donner un Fin Open à 6 à l'unité de troupes juste à côté. Donc c'est sur du 7. Ça passe. Ils auront un Fin Open. Alors celui-là, attends, je vais l'abjurer celui-là. Abjurer. C'est beau. Ensuite, j'ai ce prophète-là qui va lancer Exécuteur sur eux. Donc c'est sur du 7. Rune du Farcir, je peux relancer 1 ou 2 dés, donc je relance le 3. Donc c'est sur du 7. Joli. D3 BM, s'il y a un mort, je refais D3 derrière. 3 BM. Bien joué. Ah punaise. C'est un tueur qui avait déjà perdu. Ouais, ça me finit celui-là. Et une BM derrière. Ok, donc lui à qui il en restera, il reste 2 PV. Enfin, tu m'as enlevé. Voilà, je vais mettre un point de vie ici. Deuxième sort, il va lancer un smite. Tu veux. Deuxième smite, donc c'est sur du 6. Ouh, il reste combien de PV? Il est full. Donc ça fait 3 BM, et moi derrière, j'en prends... Donc là, du coup, tu retues ici un gars. Tu t'en as fait combien de... Il a fait 3. Donc il en tue. Ah oui, c'est un péril, là, ouais. Et je prends une BM, par contre, j'ai un Feel No Pain de plus sur les BM. Ouais. Et c'est un 1. Donc je prends une BM dessus. Dernier psycheur qui va lancer des sorts. Donc j'ai celui-ci qui va lancer un smite, toujours sur les Breachers. C'est un smite à 7. Ça passe. Je vais relancer le 2, on va... Tenter un 6? Oui. Et du coup... Ça fait 2. Ok, il me les grignote. Et du coup, mon dernier sort, je vais lancer Guide sur les Dark Reapers. J'utilise mon trait de seigneur de guerre qui me permet de relancer un jet pour lancer un sort. Ouh, pas de full reroll sur les touches. Alors début de ma phase de tir, donc je vais prendre les Skyweaver pour tirer sur les Castellans juste ici. Et du coup j'ai 6 des 6 tirs. C'est très moche. Un point de com pour... C'est beaucoup mieux. Donc j'ai 23 tirs qui blessent sur du 3. Et du coup c'est force 4, ça blesse sur du 5, sur 4, 5 ça fait une BM sur les 6, ça fait attends, ça BM. Fait des BM sur du 4 même si ça ne touche que sur du 5 ouais. Oh putain. C'est en plus des blessures. Oh, c'est pas très bon. D3, BM, BM. Alors, j'ai 3 sauvegardes à PM1, donc c'est du 5+1 vue. Je prends mon invulnérable pour te faire des BM. Je t'en fais une et je perds 2 PV. Ah non, ouais. Donc je perds 2 PV. Plus 3 BM. Parce que c'était des 4 et des 5. Donc je perds 2, plus, donc je suis à 5. Toi, t'as fait 2 D3 plus 3. Ouais. Donc je suis à 5. Et du coup, les 2 D3. Oh, c'est joli, pour la vache. Alors du coup, t'aurais dû les envoyer séparément, mais c'est pareil. C'est pareil, t'as fait 3. Parce que le 3, ça finit le premier, ouais, et je prends 3 sur le deuxième. Et surtout le premier explose. Est-ce qu'il explose?
Oh, oh la vache, zut. Si tu fais ton D3, si tu fais 3, tu tues un robot. Je sens tellement que tu vas le faire, attention. Et tu peux pas la reroll, ça n'existe plus, c'est fini. C'est fini. Et c'est magnifique. Et du coup, est-ce que le prochain, vu qu'il meurt, est-ce qu'il explose encore? Attends, ça veut dire quoi? Là, il y a du monde qui prend. Alors, ce qui s'est passé, le premier Castellan, il a explosé. En explosant, il fait des 3 BM sur les breachers. Donc, je vais enlever ce breacher. Le deuxième nono, il a explosé. On a déjà fait les BM sur le nono, j'en ai enlevé un sur côté As, j'en ai enlevé 3. Et j'en refais sur les breachers. Et je repère un breacher. Un festival de 6, 3 BM, c'est magnifique. Alors, suite à la magnifique action de mes Skyweaver juste là, qui ont quand même pas mal lavé tout son dispositif, je vais avec les Avengers qu'il y a juste ici tirer sur les Priests, avec les troupes aussi au pistolet Shuriken. Les Dark Reapers, ils vont tirer sur les deux unités de Breacher, histoire d'essayer de faire un peu le ménage là-dedans. Et ça sera pas mal déjà pour la phase de tir. Alors, fin de phase de tir, donc vraiment au global, donc les Skyweaver ont nettoyé tout ça. Les Avengers et tous les Harlequins ont tiré là-dedans. J'ai fait 2 morts. Deux morts. Les Reapers ont split les tirs sur les deux unités de Breacher. J'ai fini celle-ci. J'ai fait un mort dans celle-ci et j'ai utilisé un point de commandement pour Fire and Fade et je vais enchaîner sur ma phase de charge. Et on le fait immédiatement. Donc les troupes juste ici, ça devrait aller. Voilà. Les Skyweaver vont charger les Breachers. C'est une charge à 9. Yes. Et je vais claquer un point de co histoire pour de lancer les relancer deux. Le G. Ouh. Ah, pas grand chose. J'ai eu chaud. Donc les troupes ont chargé les Priests. Ils ont une règle qui leur permet de passer à travers les unités, même en phase de charge. Du coup, je suis allé directement sur l'objectif avant de les taper. Dis-moi que tu restes à 3 pouces du perso, s'il te plaît. Et je reste à 3 pouces du personnage qui est à ma gauche. Juste ici. Ok. Je me rends pas compte, ça tape fort ou pas au cac? Là, tu vas vite le savoir. Ça tue, mais... Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que ça fait, par contre? Voilà. Je connais pas. Ça touche sur du 3. Ça touche sur du 3 et c'est force 5. PA-2, dégâts 1. En vérité, c'est la force 5 qui est bien. Tu vas blesser à 3 et puis voilà. Je blesse à 3. Il va sauvegarder invulnérable à 3+. Allez. Allez. Donc j'en rate. J'en rate beaucoup trop. C'est pas bon. C'est pas bon. Et là, maintenant, c'est des Feel No Pain. Allez, Feel No Pain à 5. Et c'est nul. J'en perds quand même 5. Il en avait tué 2 au corps à corps, ce qui fait qu'il t'en reste 3. On y va, donc c'est sur du 3+, relance D1 parce que je suis toujours sur le quantique qui me permet de relancer les As. C'est la riposte là. Donc là, j'en passe 4 et j'en passe même 5, là le 2 est raté. On est sur de la force de 5, on du 3, on est sur du 3+. Et là, hop, j'en réussis 4. Donc 4 sauvegardes à moins 2. Il a de l'invue à 4. Et j'ai, attention, et j'ai fait un 6, donc j'ai des 3 blessures mortelles à la place. Donc là, à la place ou en plus? Attends, c'est à la place, au lieu. Donc le 2 était raté, donc ça c'est les D3 BM. T'as 3 BM. Non. 3 BM et 3 invus à 4. Et 3 invus à 4. Ouais. Okay. Donc j'ai quand même 4 morts. Bon. Donc fin de la phase de corps à corps, il a quand même réussi à me laver 4 sur 5 troupes. Donc j'ai un test de morale à effectuer. J'ai un moral de 8. Et c'est pas terrible. Et ben tu perds le dernier. Je rate le test de morale, je perds une unité. Je suis supposé faire un test d'attrition sur ce qui reste, mais il reste plus rien. Eh ben, je m'en sors très bien. Alors, moi aussi, j'ai un test de commandement. Moi, j'en ai perdu 7. Ils ont un commandement de 8, donc il n'y a que le 1 qui peut me sauver. Alors, du coup, eh ben, j'ai raté le test de commandement. Donc là, je vais faire le test d'attrition. Comme je suis en dessous de ma demi-force, je vais envoyer un dé pour chaque figurine sur des 1 et des 2. J'ai encore une perte. Et j'en perds 1, mais je m'en fiche. Il m'en reste 1. Alors, fin de mon T2. J'ai perdu du coup le dernier harlequin qui était juste ici. Je marque 2 points parce que je suis dans les 3 quarts de table. J'ai pas fait plus de morts que mon adversaire, donc je marque pas pour l'attrition. Et je marque pas non plus pour le troisième objectif qui est de faire une action psy à côté d'un de ses personnages. Moi par contre, j'ai réussi l'attrition, j'ai tué plus d'unités que lui, donc je passe donc à 15 points et Mada 2.
fin de ma phase de commandement du T3. Alors, je récupère 15 points parce que dans les objectifs principaux, je tiens un objet, j'en tiens même 2, j'en tiens même plus que l'adversaire, donc ça me fait 15 points en plus. Et encore 2 points parce que dans mes objectifs secondaires, je tiens cet objectif-là. Pour un total de 32 à 2. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé mettre mes breachers sur tes objectifs pour obliger les Reapers à tirer dessus. Donc ils vont mourir, mais ils vont occuper les Reapers. J'ai avancé un peu le Dune Rider pour essayer d'aller prendre cet objectif-là et continuer d'obliger les Reapers à avoir une cible pour qu'ils m'empêchent de scorer. J'ai laissé le Fulgurite ici bien au chaud pour que les Reapers ne le voient plus. J'ai avancé les Breachers pour prendre cet objectif. Et j'ai mis tous ces personnages ici, le Castellan, les deux Onegger et mon personnage pour faire des BM à portée de tir des Skyweaver. Psy va lancer ses 3 sorts. Châtiment, on commence ici, donc c'est sur du 5. Ça passe. Est-ce que tu veux essayer de me dispel? Non. Ok, on y va pour des 3 blessures mortelles. Eh bien, je commence par une. C'est pas terrible, tant pis, je prends. Ensuite, je vais balancer mon deuxième châtiment, il s'appelle Castigation. Donc d'abord, ça passe sur une charge de war de 6. Ça passe. Est-ce que cible unité à 18 pouces, sur 3d6, si je fais plus que ton commandement, t'auras des 3 blessures mortelles. Est-ce que tu veux me le dispel? Oui. Il a fait 6. Avec monsieur juste là. Oui. Joli. Fin de ma phase de psy, j'ai simplement enlevé une blessure mortelle sur le Skyweaver et j'ai raté mon deuxième châtiment. Alors, je claque, toujours pareil, pour colère de Mars, pour avoir des blessures mortelles avec mon dernier nono, 2 points de commandement pour avoir des blessures mortelles sur du 6 pour blesser. On y va. Et ben, je cible toujours les Skyweaver avec les nonos. Alors, mon dernier nono, il a fait le café, il a réussi à enlever quand même 3 Skyweaver. Et maintenant, on va mettre le paquet pour enlever les 3 restantes. Alors, j'ai fini ma phase de tir. Il reste une petite moto ici, qui va faire un test de commandement d'attrition. Et puis, j'arrête là. Donc, voilà. Fin de ma phase de tir et je fais pas de phase de cac. Le test de morale pour les motos. C'est joli. Alors, début de tour 3, donc je récupère un CP, donc je suis à 3. Globalement, je vais essayer de sauver les meubles, de faire quelques kills par-ci par-là. Je n'ai pas trop espoir de remonter à 2, à 32, mais on va pas abandonner comme ça, et on va faire quand même un bon tour, et puis voir ce que ça peut donner. Alors, du coup, fin de la phase de mouvement. De ce côté-là, j'ai sorti tout le monde, histoire de tirer sur ce que je peux, histoire de faire des morts. Et histoire de faire des morts, la dernière Skyweaver, je l'ai avancée. On va voir ce qu'elle fait sur le dernier robot. Et ensuite, elle chargera les Breachers. De ce côté-là, j'ai encore ressorti les Reapers. Ils vont tirer sur ce qui restera. Essayer de nettoyer potentiellement les Breachers là. Si, selon ce que je vais mettre au psy et en BM sur eux, on va essayer de tirer sur le transport. Et du coup, le prophète à moto, je l'ai placé sur l'objectif. Alors, phase de psy, donc, ce prophète-là va lancer un smite sur les breachers. Et ça passe. Smite à des 6. 2, c'est très moche. Donc lui, tu m'as enlevé 2, un seul PC, il m'en reste 2. Moi, je prends 3 et j'ai un Fino Pena 2 dessus. Et je prends quand même 2. Sachant qu'il en avait déjà perdu. Non, pas celui-là. Ah, c'était l'autre. Bon, si, il avait perdu une, pardon. Bien vu. Donc... J'en peux plus. J'en perds deux autres. Il commence à se mettre des BM eux-mêmes. Il va lancer exécuteur. Donc D3 BM, si je fais un mort, j'ai D3 derrière. Ça passe. 3 BM. C'est bon, il est mort. 2 BM. Donc lui, il ne reste plus qu'un. Je mets ce qu'il reste. Il reste un PV. Et celui-ci, je pense qu'il est un peu trop loin. Il est un petit peu trop loin. Celui-ci, il va lancer guide sur les Reapers. Ah, ça veut pas. Rune du farcir, je peux relancer un D. Ça passe. Donc j'aurai full reroll sur les touches des Reapers. Et c'est j'ai le Shadow Seer juste là-bas qui va lancer un smite sur le prêtre. Je pense que, ouais. Ça passe. Ah non, celui-là je vais le dispel. Je prends dispel 2 en plus, donc c'est parti. Ouais, ça passe. Faut que tu t'en ah, no pain. Ah, faut que tu fasses sur les 3 du coup. Ouais. T'as 2 BM dessus. Et ben 2 Fin no pain à 5. Ah, non, il voulait pas. Et deuxième sort, je vais lancer le sort qui me donne un Feel No Pain sur du 6. Et ça passe pas, c'est un sort qui se lance sur du 7. Alors, début de phase de tir, j'ai mes Reapers, donc j'en ai 3 plus l'Exarch qui vont tirer sur ces Breachers là. Les 4 autres vont tirer sur le transport.
Et sur un malentendu, on va peut-être essayer de faire des morts avec les Avengers. Donc la Skyweaver, elle va viser le dernier Castellan. Alors, fin de ma phase de tir. Donc les Reapers, on l'avait les Breachers juste ici. Ils ont one-shot le transport juste là. C'était trop. Oh, très joli. La dernière moto a laissé un robot à un seul point de vie. Et du coup, je vais enchaîner avec une phase de charge. Mes Skyweaver qui vont charger les deux Breachers qu'il y a. Donc charge à 5. On va récupérer là. Donc charge réussie sur mon Skyweaver, sur ma dernière moto, sur les Breachers. Donc j'ai 4 attaques, force 5. Ça touche, il n'y en a que 3. Et ça blesse sur du 4. Sur du 4, en du 5. Deux blessures, bien moins 2, pardon. C'est joli ça, donc bien à 5. C'est pas 5. Je rate les deux. Hein. Bien c'est moins 2, dégâts 2. Dégâts 2 ? Ouais. Un qui saute, un qui perd de BV. Donc un qui saute, et lui il reste plus que 1. Okay. Donc je vais riposter avec le dernier Breacher et ses 3 coups d'électro-griffe. On est sur du 4+, chouette, on passe 2. On est sur du force de 5 plus 1, 6 sur du 5. Sur du 3+. Sur du 3+. Une PA, moins 1, un dégât. On veut 4. Non. Okay. On fiche, je garde l'objet. Bah, je te le conteste, mais... T'es pas troupe, et moi si. Alors, fin du tour 3, je vais marquer 3 points, parce que je suis dans les 4 quarts de table, pardon. Je vais marquer 4 points d'attrition, parce que pour la première fois de la partie, j'ai plus de KP que mon adversaire. On est du coup à 32 à 9. Alors, fin de ma phase de commandement, tour 4. Je récupère un point de com, donc maintenant j'en ai 2. Je suis encore bien dans le contrôle map, donc je refais 15 points supplémentaires. Je tiens un objet, j'en tiens même 2 et j'en tiens plus que l'adversaire. Et je tiens encore 2 points parce que je ne conteste pas, vu que je suis troupe, je suis super OP, donc c'est moi qui tiens cet objectif. Par contre, j'ai pas attrition, vu qu'il a tué plus de figurines que moi. J'étais donc à 32 plus 15, je dois passer à 49. Oh, alors moi, les maths... 32, 49. Et Mada reste à 9. Voilà. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. J'ai pas fait grand chose, j'ai avancé un peu les deux Onegger. J'ai par contre avancé côté As parce que j'ai envie qu'il donne des coups de marteau Némésis dans le dernier Skyweaver, qu'il en fasse de la purée, que le monde sache que ce mec est bien burné. J'ai désengagé le Breacher ici pour se poser sur l'objet et puis l'objet a tiré dessus. Et puis c'est tout. Phase de tir, non, phase de psy. Eh ben, on va mettre un peu de châtiment là-dedans, parce que... Ça mange pas de pain. Le premier châtiment, il passe. Est-ce que tu l'abjures ? Oui. Le vilain pas beau. Eh ben, je fais cette fois-ci le deuxième châtiment, sur du 6. Et celui-là, il passe pas, c'est moche. Alors, je vais faire mon troisième avec BM, c'est castigation. Il passe sur du 6, ça passe. Est-ce que tu me l'abjures ? Est-ce que... Je peux pas. Alors, lui, je dois faire 3d6, je dois faire plus que le commandement de... Bah, c'est bon. Et donc on y va, il prend des 3. Chpouik ! Terminé, on n'en parle plus. C'est propre. Alors, l'Onegger va essayer de se faire le perso à moto. Le Nono va claquer ses deux derniers points de commandement pour faire colère de Mars et puis essayer de pulvériser les putes qui restent là. C'est de l'overkill, mais ça fait toujours plaisir. Et cet Onegger va essayer de cibler les persos une fois que j'aurai rasé les Avengers. Voilà. Fin de ma phase de tir, les Craft World, les mecs en collant sont en PLS. J'ai fini les Avengers, j'ai atomisé le petit perso, et il y avait un deuxième petit perso que j'ai défoncé salement. Il reste plus que les Reapers planqués là, derrière le bloquant. Et sinon voilà, je suis content de ma phase de tir. Donc pour l'instant je fais pas de points, je passe la main à Mada et on verra la fin de son round, si de son tour, ce que j'ai scoré. Alors, tour 4, donc je regagne 1 CP, donc je suis à 2. Globalement, au niveau des déplacements, j'ai pas grand chose. J'ai sorti les Reapers histoire qu'ils tirent et histoire de peut-être deny l'attrition. Faut que je fasse 3 KP ou plus. J'ai posé le Shadow Seer, pardon, sur l'objectif. Le but c'est de balancer des smites et essayer de tuer les deux personnages qui est là. Enfin, le Breacher et le personnage qui est là. Et on se retrouve à la fin de mon tour. Alors, sur mon T4, donc j'ai sorti les Reapers. J'ai tiré sur l'onagre. Et ensuite j'ai Fire and Fade histoire d'aller sur l'objectif. Le Shadow Seer qui a juste là a tué au psy le Breacher et le personnage. Malheureusement de toute façon je vais pas marquer ces points là. Je marque pas non plus parce que je n'ai pas
pardon, je n'ai pas trois quarts de table. Pete a 40 points d'avance, je vais lui concéder la partie et on va se retrouver pour un débrief d'après game. Ok, on se retrouve pour le débriefing de ce rapport de bataille Cult Mechanicus versus Craft World Soup. Je me tourne vers toi, Tildus. Victoire 49 à 9. Ton ressenti de game, tu m'as dit que c'était ta première partie V9. Alors, première partie V9, j'avais juste lu les règles, relu et encore relu. Et t'avais regardé les vidéos Creative Wargame. Et j'avais regardé quelques vidéos Creative Wargame, c'est vrai, hein. Plusieurs fois même, tous les soirs en fait. Hein. Et c'est vrai que ça te surprend une fois qu'on est sur la table, parce que toutes les nouvelles mécaniques de jeu sont vraiment surprenantes. Il y a pas mal de petites choses qui m'ont surpris pendant la bataille, mais c'est vrai que de toute façon, je me suis vite mis en mode contrôle map, notamment au niveau de mes objectifs que je devais remplir, et j'avais vraiment une armée qui était conçue pour le control map. J'ai vraiment des gros plots tanking qui sont capables de se mettre sur des objets et de les tenir. Tout en ayant une énorme létalité. Ouais. Donc vraiment, j'aime beaucoup mon admec parce que c'est du costaud. Surtout avec le Psychic Awakens, ouais. Ça a rajouté en plus quelque chose à une armée qui était déjà, je trouve, très forte. Mada, un peu compliqué comme partie, j'ai envie de dire. Concrètement, avec les chips à grandes oreilles que j'ai, je peux pas survivre à autant de létalité, autant de tirs, à colère de Mars tous les tours. La létalité du tour 1, elle m'a fait très très mal. J'ai pas pu vraiment sortir de ma zone, concrètement, de la partie. J'ai plus sauvé les meubles qu'autre chose. Mais j'ai passé une très bonne partie et une très bonne soirée. C'était cool. Il est sympa à jouer, putain. Hein, moi j'ai fait quelques parties avec Pete, à chaque fois c'était du kiff. En tout cas, merci à vous deux. Moi, concernant la partie, clairement, on a vu que t'as pris l'avantage via le fait que t'as des unités qui peuvent se permettre en fait de se poser sur les décors. Ouais, et les tenir. Et ces unités-là, ce qui est intéressant, c'est que t'as une première ligne qui est là pour tanker et du coup qui va encaisser les tirs de l'adversaire pendant que ta vraie ligne défensive elle de saturation, elle avoine vraiment. Choix judicieux, moi j'ai trouvé aussi de ton côté pour les secondaires. Attrition, en vérité pour l'instant, je pense que c'est le meilleur secondaire de ce qu'on nous propose sur le livre des règles. Ouais, complètement. L'écart de table et pour le coup l'objectif secondaire de ce scénario-là, je le trouve aussi très bon. Mm. Parce que t'as potentiel de mettre 7 points par tour. Tu l'as pas fait, mais t'as fait des tours où tu mettais 4 points de secondaire. Ouais, ouais. Donc du coup, tu scores assez bien, tu scores assez vite. Et c'est là où justement, Mada, toi, t'étais en difficulté sur cette partie. Le fait que t'as pas la possibilité de gérer tes ressources, soit en faisant de la destruction, soit en faisant de la résistance sur les objectifs, ça lui permet à lui de scorer, engranger des points. Et en fait, on se retrouve qu'arrivé au tour 4, il a 40 points d'avance. C'est totalement envolé, il y a pas de. Ouais. Mais c'est 40 points de contrôle map, c'est même pas vraiment en létalité, parce que l'attrition, je crois qu'on a deux. Tu l'as mis deux fois, je crois. On a mis deux fois, il l'a mis deux fois. Mis donc 8 points de kill, quoi, en gros. Oui, c'est ça. C'est ça, 8 points de kill et le reste. Oui, j'ai une grosse létalité, lui aussi il m'a fait mal parce qu'il y a quand même les Skyweaver qui sont arrivés qu'on tout rasé. Létalité de bonhomme, quand même. Deux mecs burnés, quoi. Il avait du psycheur qui m'a envoyé des BM à foison. Non, en termes de létalité, on se valait. En termes de contrôle map, j'étais au-dessus. Au-dessus. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup d'être venus. Bah, on place un mot pour ton association, Pete. Alors, très important, comme vous pouvez le voir, on fait partie de la même association qui s'appelle la communauté des Orchidoclastes. On est déjà une quinzaine de membres. Du côté, donc, Evelyne Sud, du côté de Rambouillet, les Essarts, mon repas. Si vous voulez nous rejoindre... vous allez sur notre Facebook, les Orchidoclastes, la communauté des Orchidoclastes. On a aussi une adresse mail orchidoclastes@gmail.com. On commence à organiser des tournois. Enfin bref, on est chez les Orchidoclastes. Ils auront peut-être la chance de jouer contre Pete. Exactement, contre mon admec. Le joueur Adeptus Mechanicus à Palfist. Et voilà. Ça, c'est pas rien. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, merci à vous d'être venus. C'était vraiment cool. Moi, j'ai passé, la partie était agréable à suivre. Très bonne ambiance autour de la table. Donc ça, c'est un vrai plaisir. J'en replace une aussi pour nos deux partenaires qui, en plus, étaient autour de la table avec nos tournages. C'est, Crank Wargame et My Scenery qui ont sponsorisé la vidéo. Vous avez, tous les liens, les gars, dans la description. Faut les rejoindre sur Facebook, sur Instagram. C'est pareil. Dans la description, vous avez le Facebook, l'Instagram, le Discord, le Tipeee, la Total. Vous savez quoi faire. Je rappelle que le Discord, il est accessible à tout le monde, vous avez une partie publique sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce support qui est très intéressant. Il y a pas mal d'échanges qui se font, il y a des partages de listes, il y a de la discussion de fond sur le jeu, donc ça c'est vraiment cool. En tout état de cause, si la vidéo vous a plu, paye ton pouce bleu et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre.